Salut à toutes, salut à tous, c'est Hero82, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mario Luigi Superstar Saga. Alors on s'était arrêté juste à la fin du Mont Uf, vous avez été nombreux à me dire qu'il va falloir que j'up ma moustache pour me permettre d'avoir de meilleures, des réductions sur les objets qui sont apparemment ô combien importants dans ce Mario Luigi, chose que j'avais complètement oublié. Bon, c'est vrai que la moustache, c'est une caractéristique que j'oublie tout le temps dans les Mario et Luigi. Je vais essayer de le faire, un prochain combat je vais upper la moustache. Je vous fais confiance, je vais faire ça. Et je vais aussi essayer de passer au niveau 2 pour les attaques, pour que je puisse avoir des attaques frères avancées. Allez, c'est parti, on continue notre aventure. C'est le prince Harry que je suis présumé. Ah non. Il y a une chose que nous avons oublié de vous dire. Nous allons vous apprendre comment utiliser le marteau en combat. Voulez-vous écouter? Non, je sais comment. Vraiment? Voulez-vous écouter? J'ai dit non. Vraiment? Mais c'est quoi ces trolls? Je sais comment on le fait. Bon, oui. Nous vous expliquerons pas dans le combat. Bon, apparemment c'était obligé. D'abord pour le marteau. Utilisez le bouton A et le bouton B. Ouais, c'est sans blague. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux. D'abord, l'attaque solo avec le marteau. Marteau. Attends un peu! Ici, appuie sur le bouton A. Oh, c'est très efficace! C'est super efficace. Coup critique. Bref. Mais je ne suis pas doué pour enseigner, as-tu bien compris? Appuie sur le bouton lorsque le marteau vibre. Quand il vibre, compris. Toi en vert, appuie sur le bouton B quand le marteau vibre. Blablabla. Ça c'est pour se défendre. Ah oui, pardon. Oui, on commence. Ah! Tiens, voilà. Non! C'est bon? C'est compris, ça vaudrait mieux. Dans Vegesia, vous rencontrerez des ennemis si forts que les sauts ne suffiront pas. Mais vous n'aurez certainement pas de mal à maîtriser cette technique. Si vous n'y arrivez pas, rendez-nous les marteaux. Et puis quoi encore, hein? Tu me les donnes, reprendre c'est voler, hein. Pour reprendre le wagonnet, il faut retourner au village. C'est vraiment très amusant avec toute cette vitesse et ces vibrations. On se croirait dans un parc d'attractions. Pardon. Au revoir. Et je me colle la tête sur le pont. Putain, ça fait mal. Ouais. Je peux casser? Non. Je pense plus tard je pourrais. Soit je peux aller en haut, soit en bas. Voyons en bas. Ah, et je change complètement de domaine. Et en haut, c'est quoi? Après, je change complètement. Et ici... Attends, là, il y a des objets à récup. Merde. Je me suis mal positionné. C'est pas grave. Si, je me suis fait pas mal de pièces. Un champignon. À gauche, ça va où? D'accord. Ça, je vois. Et en haut. Ouais, bon, visiblement, je ne peux pas encore y passer. Soit. Eh ben, on va descendre et on va aller vers la plaine. Vers cette plaine-là. Continuons. Initiative! Non! Tu restes couché. Alors, marteau. Hop là. Marteau. Ah, bien joué. Tiens, bouffe. Parfait. Ouais, ici en fait c'est un petit tuto pour vous apprendre à utiliser le marteau. Il y a plein d'ennemis à pic. C'est pour bien savoir utiliser le marteau. Merde, trop tôt. Voilà, maintenant. Là. Et là. Oups. Tac. Viens ici, toi. Non, bouge pas. Oups. Ah. Il m'a surpris. Dégage.
trop tôt. J'ai un peu du mal avec le timing. Oui, si. Il y en a encore un. Oui. Tiens. Voilà. Voilà. C'est bon, j'ai le timing. Dégage. Normalement, j'ai pas les attaques frères avec les marteaux. Je crois que oui. Je vérifierai après. Continuons. Alors, mon UF, ville du château Végésia. Voilà, c'est par là qu'il faut que j'aille. Hop, 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 hop. Toi, initiative. Ça dégage. Alors, wait. Saut de frère, non, j'ai pas encore. Ok. Donc, non. Saut. Ça va être plus vite. Tu dégages. Là, y'a rien. Là, je peux pas y aller. Là, y'a une porte. On peut pas y accéder. Je fais plus de combats possibles pour gagner au taquet de niveau. Vous connaissez la chanson. C'est ce qui est le plus important dans les RPG. J'ai quand même envie de savoir ce qu'il va faire comme attaque, lui. Aïe! Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas... Ah ouais, c'est vrai qu'on peut pas se défendre à l'infini comme dans Dream Team Bros. Je me suis cru dans Dream Team Bros, moi. Et oui, là, il y a un timing à bien respecter, même quand on se défend. Parce que sinon, vous voyez que on perd les marteaux, et donc du coup, eh ben, on est vulnérable à toutes les attaques. J'avais oublié ce détail. Je l'avoue. Dégage. Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe ! Il sautait au bon moment. Bon, c'est pas grave. Allez, tue-le. Ça dégage. Là, on peut pas. C'est ce que j'avais dit. Là, on peut passer à droite ou en bas. Hop ! Initiative. C'est parfait. Il y a plein de combats. Ça me rapporte beaucoup d'expérience. C'est ce qui est important. Vas-y, je vais essayer un saut de frère. Niveau 2. Ah, punaise, faut aller vite. Ok. Aïe. Ah, Mario va crever. C'est bon. Je vais lui donner un champi au cas où. Vu que j'en ai. Merde. Si, 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 donne à Mario. Bah, tu peux pas donner. Ah, voilà. Voilà. Au cas où. Je retente. Ah, trop vite. En fait, faut aller vite. C'est un timing à respecter. Bon. Voilà. C'est pas trop mal. Je me suis raté un peu. En fait, le niveau 2, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Et niveau 3... on voit pas, enfin, y a pas d'indicateur pour savoir quand est-ce qu'il faut appuyer sur A ou B. Ouais, c'est un timing que je dois respecter, quoi. Et à droite, ça va où? Il y a des ennemis. Par là, il y a quoi? Cinéma Yoshi, mon UF à gauche, ville de château des Egesia. Ok. Ah oui, il y a E. Ouais, donc là, ça me sert à rien. Effectivement, je ne peux pas encore y accéder parce que je sais ce que c'est. Merde. Bon, pas grave. Je sais pas si j'ai le niveau pour les battre. Ouais, je fais que 1. Je pense pas, mais bon. Voilà, j'y suis arrivé. Impeccable. Voilà. Bien. Raté. Raté! Raté! Je suis sûr que j'ai pas le niveau pour. Mais bon, je le fais quand même. Non, j'ai pas le niveau pour. Je fais que 6 de dégâts. Oh bah ça va me rapporter l'expérience au moins. Ouille! Ah ouais, 11! En effet, j'ai pas le niveau pour. C'est pas grave. Non. Refais une attaque frère, hop. Voilà, 16 dans sa gueule. Par contre, j'ai plus
J'ai plus de... de PB. Ok. Et là, je me fais toucher une fois. Je suis mort avec Mario. 6. Je pense qu'il va être mort, là. Voilà. Ok, il reste plus que toi. Hop, mon frère. Ah, je manque à la fin. Je suis en train de consommer tous mes PB, mais bon, c'est pas trop grave. Au moins, ça va me faire pas mal d'expérience. Ah merde! Pas grave. Non, donne-lui à lui. Ah, voilà. Ah oui, bah j'avais sélectionné Siro. Merci. Non, non, j'ai clairement pas le niveau, mais bon. C'est pas grave. Allez. Fais-moi ça. Moi, je suis un fou. Je vais dans les endroits où il faut pas aller. Ah, punaise. Voilà. Ouais, 56 expériences, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, quoi. Hop. Oh mon dieu. Bon, allez. Je reviens dans des... dans des lieux où j'ai le niveau. Ouf. 21. Pas mal. Ok, va en bas. C'est en bas qu'il faut passer. Pas en haut. Enfin, pas en haut, à droite. Bon, là, c'est sûr, je vais bientôt. Donc, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ouais, je pense qu'à 700 jeux, hop. Un truc comme ça. Non, tu fais marteau. Ah, merde, je me suis raté. Ah, c'est un timing à avoir, hein. Je me crois trop dans Dream Petit Bro, je me dis j'ai le temps, mais en fait j'ai pas énormément de temps. Ouais, voilà, j'avais dit 700, c'est ça. Donc, vous m'avez dit d'up la moustache, on va le faire. Je vais essayer de viser un bon 3. Ah bah je vise un 3. Parfait. Et Luigi, pareil, on va viser la moustache. C'est un peu bizarre de dire ça, mais bon. On va le faire. Un 3. Bien. Ok. Je peux monter là. Ouais. Change. Non. Ouais. Bon, y'a rien. Donc on s'en fiche. Non. Merde. Bon, tant pis, pas d'initiative. Bah, pas de chocolat. Tu dégages. Et toi aussi. Alors ici, vie du château de Vézézia et quoi? Château de Sodagnoble. Je sais plus ce que c'est. Non mais, viens ici. Non mais oh. Assommé, tu dégages. Et idem. Ah bah non, il manque un peu. C'est bon. Vivement que je récup mes PB, parce que j'en ai bien besoin. Enfin, pas mes PB, mes points frères, pardon. Là, on peut pas passer. On pourra passer plus tard, je me souviens. Bah, on va aller au château. Je sais pas si là, je dois aller. Oula! Quel désastre! Ah oui, en effet, oui. Aïe! Notre ville a été attaquée, et voilà ce qu'il en reste! Ouais, effectivement, pas grand chose. Excuse, Mario. Effectivement, c'est un désastre. Greg et Mona a attaqué la ville et a dû se rendre au château. Notre train doit être en danger. Hop, 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 attendez. Moi. Bienvenue dans mon magasin provisoire. Excusez-le pour le désordre. Hein. Avec la ville dans cet état, je ne resterai ouvert que tant que j'aurai des clients. Alors, que décidez-vous? Achetez. Alors, je vais acheter. Tu me vends pas des champis, one-up? Ça m'embête.
Ah, des herbes rafraîchissantes, je vais en prendre. Putain, c'est cher! On va en prendre deux, hein. Une. Un sirop, s'il te plaît. Putain, c'est cher! Oh! C'est abusé tes prix, dis donc! À bientôt. Blablabla, blablabla, blablabla. Et on n'a pas pour les équipements? Attends, wait. Si, il y a les équipements. Et je peux pas acheter pour les équipements? Attends. Acheter. J'ai que ça? Ouais, bon, en même temps, c'est le désordre. Donc je peux comprendre que tu ne proposes que trois. Que trois misérables articles. Bon, ok. Soit. Bah, y'a rien dans cette ville! Putain, faites chier, vous auriez pu passer le ménage, hein, sans me coller! Non, 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 allez, allez. Plus sérieusement. Je peux passer là? Non. Château de Végésia. Bah, allons-y. De toute façon, on doit aller là, je crois. Donc, on va passer. Point de sauvegarde. On va sauvegarder. On va aller au château. Et puis après, je pense qu'on s'arrêtera là. Grey du château de Végésia. T'as plu? Ok. Non, 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 personne n'entre. La ville a été attaquée. Peut-être que ce château le sera à son tour. Mamie Rico a donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Pour entrer, donnez votre identité et le but de votre visite. Quoi? C'est toi le fameux Mario? Quoi? Et toi tu es le fameux Luigi? Luigi c'est... C'est qui en fait? Ben, j'en sais rien. Pauvre Luigi. Voilà. Si tu es le fameux Mario du Royaume Champignon, donne-moi la preuve. Ouais. Ce saut. Je suis convaincu. Celui-ci est bien Mario. Mais... T'es sûr? Ok, avant tout, que font ici le fameux Mario et la personne du nom de Luigi? Oh oh. Oh 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 oh. Entendu. As-tu compris? Bah ben, pas du tout. Ok. En tout cas, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Allez-vous en vite. C'est la rose du prince Arik. Êtes-vous des amis du prince? Il me semble qu'il vaut peut-être mieux laisser entrer des individus. Vu cette rose et cette coquetterie, je vous autorise à entrer dans le château. Quelle coquetterie! Ok, bon, je vais pas batailler. Merci, messieurs. Y'a rien là. On peut passer par là? Blablabla, l'accès est à terme. Ok, ok, ok. Ok, bizarre cette porte, mais soit. Y'a pas des ennemis, non? Ah, bonjour. Ouah, monsieur Mario et monsieur Luigi. C'est qui, lui? Je suis Mamie Rico. Ah, donc c'est une... Je suis Mamie Rico, première dame de ce château. Les gardiens m'ont informé de votre arrivée. Êtes-vous vraiment les fameux Mario et Luigi? C'est vraiment une dame? Un mec? Enfin bon. Je dois admettre que votre manière de sauter ressemble à celle de Mario et Luigi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oh, c'est agaçant! Ne pouvez-vous pas parler plus doucement? Comme vous voyez, la ville est en ruine et le château est placé sous une surveillance stricte. Mais c'est impossible de laisser deux étrangers comme vous rencontrer la reine. Moi, Mamie Rico, sa fidèle servante depuis de longues années, je dois agir pour la sécurité du château. Oh oh. Mais pourquoi? Écoutez-moi bien! Si vous êtes vraiment les fameux Mario et Luigi, alors vous saurez réparer la plomberie! Si vous y arrivez, je vous laisserai rencontrer la reine! Alors montrez-moi vos talons de plombier! J'aurais peut-être dû me regagner, moi. Parce que j'ai plus de PB, c'est un peu la merde! Et j'aurais dû prendre un peu plus de sirop, mais enfin. J'avais essayé de me démerder. Pas bien. Ouais, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être des gros ennemis. Viens ici, toi!
Non. Non. Ouais, ça va, c'est pas des gros ennemis, il dégage. Et toi aussi, Mister l'abeille. Je sais pas si c'est des abeilles. Ouais. Hop. Viens ici, la tortue, là. Hop, la tortue. Hop, la tortue. Voilà. Comment ça s'appelle, voyons? Picotus. Picotus, Picota. Ok. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais soit. Bon, ils sont sonnés, ça m'arrange. C'est tout? Okay. Hop. Tout dégage. Un champ pipi. J'aimerais bien des sirops par contre. Ça serait mieux des sirops, mais bon. Oh! Pas d'initiative? Ah bon. Ok. C'est bien, vous attaquez toujours le plus fort, ça m'arrange. Tu dégages. Non. Il manque un tout petit peu. Voilà. D'accord. Ouais, donc ouais, c'est tout con ce qu'il faut faire. Youps! Faut utiliser le marteau sur les bouchons, et puis voilà. Marteau. Ah mince, bien joué. Marteau. Voilà. Et voilà. Hop. Ah et voilà, et c'est bon. Déjà ça c'est fait. Et donc du coup je passe au niveau suivant. À l'étape suivante. C'est tout, il n'y avait pas d'autres ennemis. Ok. Bla 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 bla. Viens ici. Ne merde. Ah non. J'ai un peu anticipé, j'ai un peu trop anticipé. Ça passe. Et ça dégage. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Compliqué, d'accord. Bon, on m'envoie d'autres ennemis. Merci. Ça mange, ça me fait plus d'expérience. Ah. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pareil, il fait la toupie. Je pense que je vais faire ce dernier combat et je m'arrêterai là. Dégage, je vais juste voir ce qui m'attend après. Et dites-moi dans les commentaires si je dois continuer à up la moustache ou pas. Parce que là je m'en suis déjà un peu occupé. Donc dites-moi s'il faut que j'up un peu plus la moustache ou pas. Ok, donc il y aura plusieurs combats à faire. Blablabla. Je peux toucher ça? Non. Ah oui, d'accord, je vois ce qu'il va falloir faire, ouais. Bon, ok, je vais le faire déjà. Ce sera fait. Chut. Voilà. Bon, eh ben, on continuera ça pour la prochaine fois. Allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur la chaîne KSTG. Sur ce, portez-vous bien. Bonnes vacances et à la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, pardon. Et ben à demain pour la suite de Mario Luigi Superstar Saga. Ciao, ciao.